Je m'appelle Taylor Sandro, j'ai 19 ans et je viens de Brick, c'est au Valais. Moi je m'appelle José Aguilar, j'ai 18 ans et puis je viens de B, c'est au canton de Vaud. Oui, c'est il y a beaucoup d'entraînement, c'est dur. Moi personnellement, j'ai trop aimé être dans le groupe des pros. Et puis pour le moment, ça se passe bien. Il y a beaucoup d'intensité dans les entraînements. Et puis je trouve qu'on progresse beaucoup avec ce groupe-là. On m'a bien accueilli. Enfin, ils ont été gentils avec moi. Ils ont essayé de m'aider, de me donner des conseils les plus expérimentés. Et puis vraiment, je suis content avec l'accueillement. Que j'ai eu. Depuis qu'il est là, on travaille beaucoup les conservations, les sorties de balles et tout ça. Et puis on peut voir que c'est un entraîneur qui aime bien avoir la balle. C'est dans son système, dans son style de jeu, c'est jouer au ballon. Et puis j'ai eu une très bonne première impression de lui. Ouais, il veut surtout qu'on joue au ballon. Et puis lui, il sait ce qu'il veut. Et voilà, on va travailler dur. Oui, c'est spécial pour moi le club, le tourbillon et tout. Et puis moi, je vais juste jouer, c'est ça. Je vais montrer à tout le monde que aussi les Ovalaisans ils peuvent jouer. Et puis voilà, je vais travailler dur comme d'hab. Moi personnellement, j'ai déjà joué deux matchs. Et puis justement, comme chaque jeune, j'ai envie de progresser avec ce groupe, d'avoir plus de temps de jeu et puis de m'imposer. Ça, c'est sûr, c'est mon but personnel. Lui, il a beaucoup de technique, c'est ça. Et puis, lui, il fait pas beaucoup de fautes dans les passes, dans les duels et tout. Mais il a surtout la technique. Et c'est un bon gars. Moi, Sandro, je le trouve comme quelqu'un qui va au duel, qui se donne à fond chaque entraînement, chaque match. Donc, je sais que je peux compter sur lui. Et puis, lui peut compter sur moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, pour moi, c'est comme un frère. Mais si on parle des qualités, pour moi, c'est la vitesse qu'il a sur les premiers mètres et à longue distance. Et justement, qu'il se donne à fond. Il se bat tout le temps.